Me voici donc devant l'ambassade de Thaïlande à Vientiane. J'ai eu énormément de chance aujourd'hui. Il y avait quoi ? Il y avait 20 personnes à tout casser devant moi. J'ai déjà vu des vidéos avec 200, 300 personnes, des gens qui font la queue à partir de 6h du mat. Moi, je suis arrivé à 9h30, 10h de Riverside avec le tuk-tuk. Et beaucoup de chance, je peux venir chercher mon visa demain après-midi. Maintenant, il faudra voir si il est accepté. Voilà, 10h15. Je m'enfonce un petit peu dans les petites ruelles. J'ai pas pris de tuk-tuk. J'ai envie d'arriver à pied à ce monument. Je vais inscrire le nom du monument en dessous de la vidéo. Comme ça, de tête, je m'en souviens vraiment pas. Mais bon, c'est l'artère principale. Vous savez vraiment pas le louper. Une autre chose, vous remarquez que je filme avec mon iPhone, en format iPhone cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que j'ai pas le budget. Je pensais acheter un réflexe, des lentilles, voilà, tout le tralala. Mais sincèrement, voilà, j'ai pas de sous à consacrer en ce début d'année dans un petit peu des gadgets parce que j'en ai pas de grande utilité. Donc comme ça, vous savez quoi ? Ça viendra au courant de l'année. Je continuerai à faire le mieux pour le rendu, mais là, les sous, ça tape un coup. J'ai over besoin de thunes, sinon je suis donc dans la merde. Voilà. Tchuss. Vous en faites pas. Mon cœur, il me laisse jamais tomber. Je suis pas encore prêt à tirer le rideau. Si vous souhaitez plus de contenu sur la Thaïlande, à travers des articles, des clichés photographiques ou encore l'actualité du pays, c'est très simple. Rendez-vous sur ma page Facebook, La French Thai Touch. Riverside est plus que probablement mon quartier préféré de Vientiane, la capitale la plus tranquille d'Asie du Sud-Est. Laissez-vous séduire par un coucher de soleil aux abords du Mekong en observant le fleuve, frontière naturelle entre le Laos et la Thaïlande. Les plus aventuriers d'entre vous imagineront de multiples aventures extraordinaires, que ce soit dans un pays ou dans l'autre. Vous trouverez énormément d'hôtels, restaurants et de bars ouverts toute la journée et jusqu'aux petites heures de la nuit. Vous trouverez également de la nourriture internationale aussi bien que locale. Le Night Market est aussi un incontournable lieu de passage. Au Sunset, les vendeurs de street food fleurissent tout au long des trottoirs de Riverside. C'est aussi le lieu névralgique pour vous trouver un tuk-tuk, vous réserver un bus, un circuit organisé ou encore acheter un billet d'avion dans une agence. Ce quartier est bien sûr composé de locaux, mais aussi de touristes de passage arrivant à Vientiane pour les débuts de leur périple laotien. Sortez de votre cocon et faites donc des rencontres avec le pèlerin de passage. Vientiane Riverside. Santé les petits loups. Je suis actuellement au restaurant belge
que je recommande très fortement ici à Vientiane, du côté de Riverside. Ça s'appelle Shogdi Restaurant. Vous avez des très bons plats, des classiques. Et à côté de ça, la carte des bières est assez impressionnante. Vous avez de tout. Des bières blondes, des bières brunes, du stout, de l'IPA pour les connaisseurs. Et alors, les prix sont raisonnables par rapport à l'importation ici. La bière du mois, pour ne pas la citer, la triple carmélite. Une achetée, une gratuite. Donc voilà, chaque mois, il y a quelque chose en promotion. Et ce mois-ci, c'est soit la triple carmélite qui est à... Laissez-moi calculer. Hein. 7 euros, 7,50 euros pour deux. Donc c'est à peu près les prix pratiqués à Bruxelles. À Paris, je pense que ça doit être 10-15. Inutile de faire la comparaison. Et il y a aussi une délicieuse bière rosée, la blanche de Namur rosée. Idéale pour sous les tropiques. Ou alors ici, les pays d'Asie du Sud-Est, quand il fait déjà 25-30 degrés vers 11h au matin. Une bière fruitée avec un délicieux steak frites ou je sais pas moi, un filet américain tartare. J'en passais des meilleurs. C'est très indiqué. Donc je recommande réellement cette adresse. Je n'ai pas de part dans le restaurant, rien du tout. Shogdi Riverside Vientiane. Comme précité, je suis venu à Vientiane pour faire un visa run pour l'ambassade de Thaïlande. Donc, je ne bouge pas vraiment à gauche, à droite. On m'avait recommandé la ville de Luang Prabang, un petit peu au nord, peut-être 2 heures de route. Mais bon, voilà, moi, je viens pour mon visa. J'ai pas envie de risquer d'être coincé au nord du Laos, alors que demain après-midi, je dois absolument recevoir mon visa. Si je vais pas demain après-midi, c'est dans la balayette. Je dois faire une nouvelle demande, payer à nouveau, car il faut savoir que quand on demande un visa, l'ambassade garde votre passeport. Donc je suis actuellement sans passeport. Le passeport est en ambassade de Thaïlande. Même si le passeport est propriété de l'État, il le garde. Alors légal ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on procède ici.